Tu vas aller dans tout le... Tu vas courir avec ça dans le... Courir? Attends, je peux marcher, mais courir et tout... Il y a des gens et tout là. Je vous connais pas. C'est toi qui me demande de le faire, en fait, je ne connais pas, bah, je vais chier. Mais il y a des gens là, donc, je peux le faire, mais il y a des gens. Tu rentres dedans. T'as pas pris la civilité ou quoi? Je vais bien prendre une petite sprint là. J'aimerais bien, mais il y a plein de gens, donc le sprint je peux le faire. C'est pas un mock ça, c'est rien là. C'est juste le caractère. Vas-y, montre-le, construit de toi. C'est du méga bloc. De moi. Allez, montre. C'est un mock dont je suis très fier, alors j'ai élaboré un. Honte à toi, méga bloc. Non, tu vois, j'ai commencé, je fais une vraie review, tu vois. Attends, c'est bon, tu filmes là ou pas là? Ouais, vas-y. Bonjour à tous, c'est Loser Player qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo sur un mock. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Vaki Reactor. Donc le Vaki Reactor, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mock fait quand même avec trois types de briques différents, donc du Bionic, du Lego et du méga bloc et tout. Pour un schéma de couleur quand même qui est assez, bah, assez génial je trouve. Donc on a du orange ici et là, donc un petit rappel de couleur avec le connecteur et la brique ici tu vois, et le jaune donc qui permet de faire le lien entre les deux couches orange hein. Donc voilà, donc ça aide bien. Voilà, après donc bah niveau articulation c'est un peu léger hein. Il peut tourner la tête aussi sur un bol jaune tu vois comme ça, c'est pas trop mal. Donc il a deux modes, vu que j'aime bien les Transformers moi, donc en fait il peut se mettre comme ça voilà. Et comment as-tu eu cette idée géniale de marier la pièce de Nice Kingdom avec le connecteur orange? En fait je voulais utiliser cette pièce là et une tête de Vaki, parce que tête de Vaki c'est cool, et en fait il fallait que je les relie ensemble et j'ai pas trouvé comment, mais alors cette pièce là était sympa vu qu'en fait elle allait bien, donc c'était un peu un coup de destin quoi. Et j'aimerais bien faire une version télécommandée. Tu as dit que c'était un méga bloc. Avec cette moteur. J'ai dit que c'était un méga bloc. C'est une super pièce méga bloc et tout. Moi j'ai beaucoup les méga blocs. Voilà. Ah, autant pour ce que tu viens de dire, ça va te poursuivre ça. J'ai déjà des revues sur le dragon donc c'est bon quoi. Ah, oui, vas-y, prévu te dire. Ouais, mais pas sur ça quoi. De quoi? Ouais. Bah, ça, je sais plus d'où ça vient, peut-être de cet espace méga bloc. À mon avis, ça vient des Probuilders, les premiers. Tu sais, les robots transformables. Je suis pas sûr. Et voilà, bah c'est tout, j'ai parlé du schéma de couleur, de la situation, la construction, voilà. Et la jouabilité aussi. De quoi? Ah, la jouabilité, bah ouais, on peut beaucoup s'amuser avec en fait. Démonstration. J'ai des bonnes poses et tout. Bah en fait, on peut s'amuser avec le Vaki Reactor à faire voler comme ça et tout, comme ça tu vois. Et bah tout. Tourner la tête, tu peux courir comme ça en faisant Vaki Reactor. Ça c'est sur YouTube dans la semaine. Et voilà, mais fais une grande pierre pour mettre toute ta chambre. C'est ringard vu que tu tapes le mur. En fait, tu fais comme ça, c'est nul. Je crois faire une série de 12 mobs comme ça, avec différents schémas de couleurs et tout, voilà. Et puis il y aura un titan aussi à la fin, voilà. Super avec deux réacteurs. Et je prendrai des photos floues avec une webcam et puis vous en regarde. La version voilà. Et la version small set, c'est important. Ah, la version small set. Ah, Version je sais pas trop, je pensais faire une version chibi en fait. Voilà, mais bah, c'est bon, qu'on a tout là. On a tout fait. C'est dans la boîte, hein, c'est bon. Ouais, c'est là. Donc, bah, c'était ma review du Vaki Reactor, donc un petit mock qui m'a pris quand même une matinée entière à monter. Hein, parce qu'il était. On s'est mis à plusieurs. Il a fallu trouver les pièces et tout, mais bon, après, voilà, quand c'est venu et tout, quand il y a eu le petit déclic et tout, je pense que, bah, ouais, c'est pas trop mal, donc, bah. Filez vos commentaires, vous allez vous faire foutre et bon bah à plus.